Elle vient apporter son soutien et montrer l'engagement du gouvernement. La ministre de l'Enseignement supérieur est très attendue par les étudiants juifs de France réunis en convention nationale. Toute sa visite est consacrée à la recrudescence d'expressions antisémites dans les universités. D'abord, leur dire qu'il n'y aurait aucune tolérance de la part du gouvernement sur ces actes. Et puis aussi, échanger avec eux sur ce que nous pouvons mettre en place au sein des établissements d'enseignement supérieur pour que ça redevienne des lieux qui soient le plus protégés possible de ces actes antisémites que l'on a vu se multiplier ces derniers mois. L'inquiétude grandit parmi les étudiants juifs, représentés ici par 150 d'entre eux, venus de toute la France. Il est inacceptable qu'aujourd'hui des étudiants juifs se sentent menacés, se sentent soit harcelés parce qu'ils sont juifs. Et ce n'est pas l'affaire uniquement de l'UEJF, ce n'est pas l'affaire uniquement de la communauté juive, c'est l'affaire de l'ensemble de la communauté nationale. Lorsque des étudiants juifs sont harcelés, lorsqu'ils sont menacés parce qu'ils sont juifs, c'est la République qui faillit. La ministre appelle à la vigilance pour combattre les actes, graffitis ou propos antisémites. Un dispositif de prévention et d'alerte a été mis en place dans chaque université. Un enseignant référent à l'écoute des victimes. L'université de Grenoble a renforcé ce dispositif. Pour lutter contre l'ensemble des discriminations, il y a une cellule et des étudiants responsables de cela qui peuvent donc peut-être plus facilement encore aller recueillir la parole d'autres étudiants qui pourraient être victimes de ces faits. La loi oblige les personnels universitaires à dénoncer les actes antisémites. La difficulté souvent est d'identifier leurs auteurs. À Grenoble.